La mission de Life Invest, c'est de pouvoir aider les entrepreneurs à sécuriser leur patrimoine et à gagner des revenus passifs grâce à un investissement immobilier international. En somme, développer son capital et sa qualité de vie en un temps record. Et on est super content que cette mission ait fait écho en vous, Denis. Avant de parler de votre expérience Life Invest, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour ceux qui ne vous connaissent pas encore? Je m'appelle Denis Descamps, je suis investisseur, je gère aussi une agence de communication digitale à Paris qui s'appelle Vox Media. Et j'ai lancé une start-up dans la vidéo sur smartphone qui s'appelle EasyMovie. Ce sont principalement mes deux activités. Et puis je lance depuis quelques mois un blog dédié à tous ceux qui aiment les arts martiaux et notamment le karaté Shotokan. Ça s'appelle Karaté Expert. Voilà, ça c'est un petit projet en développement, mais j'adore faire ça. Voilà, donc essentiellement, mon domaine d'activité, c'est la communication digitale et la vidéo. Superbe. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous choisissez d'investir en dehors de votre pays de résidence? Alors d'abord pour me diversifier, parce que je pense qu'il faut regarder un petit peu en dehors de chez soi. Et puis finalement, je ne me sens pas si en dehors de chez moi que ça, parce que je crois savoir que l'Estonie fait partie de l'Union européenne et moi je me sens européen. Donc je me sens ici chez moi, on paye en euros, on vient avec sa carte d'identité, même pas besoin d'un passeport. Donc quelque part, je me sens en sécurité et puis le challenge était assez excitant de se dire que pour un premier investissement immobilier, le faire ici à l'étranger, en Estonie, accompagné par Life Invest, c'est quelque chose qui me challenge et qui me plaît beaucoup. Excellent. Et quelle était du moins votre problématique principale avant d'investir en Estonie? Alors en fait, j'avais un petit peu de liquidité, donc l'idée c'était de pas m'occuper de cet investissement ou à minima, donc de déléguer toute cette partie-là. Life Invest répondait à cette demande-là et puis aussi d'avoir une vraie rentabilité. L'idée c'était de dire que l'argent qui dort, c'est l'argent qui perd de sa valeur, on le sait tous. Donc c'était à la fois d'acquérir un bien qui puisse en lui-même prendre de la valeur tout en ramenant des revenus passifs tous les mois. Voilà, c'était le challenge. J'ai cherché beaucoup de solutions et jusqu'à ce que je rencontre Life Invest et toi Romain, après étude solide du dossier, avoir confronté pas mal d'idées avec mes amis entrepreneurs, j'ai pris la décision d'acheter ce bien à Tallinn et de te faire confiance avec cette idée que on travaille en sécurité, on travaille en confiance et ça me prend un minimum de temps, ce qui me permet de me concentrer sur mes business et mes activités principales. Merveilleux. Et qu'est-ce qui vous a poussé à rechercher un professionnel pour vous aider à résoudre cette situation-là? Bah, d'abord, aller plus vite, sécuriser. Paradoxalement, on peut penser qu'on peut tout faire soi-même et mon expérience d'entrepreneur m'a fait comprendre que à tous les échelons, il fallait recruter des stars et il fallait prendre des gens compétents et qui avaient l'expérience et le savoir que moi je n'ai pas. Donc faire tout seul, c'est très séduisant dans l'idée, mais au final, c'est perte de temps et perte d'argent. Donc voilà, donc quelque part, on a travaillé ensemble, on s'est beaucoup parlé. Life Invest m'a montré la voie et a montré des gages de solidité. Donc voilà, donc ça a été autant de raisons qui m'ont poussé à choisir Life Invest comme partenaire pour mes investissements internationaux. Et qu'est-ce que vous retenez de l'expérience Life Invest en particulier? Beaucoup de plaisir. Alors je tiens à dire que ça a été juste incroyable. En fait, si je mets de côté tout le travail qui a été fait pour étudier le dossier et me décider finalement, en temps passé, c'est 5 minutes pour faire la réservation en ligne sur le site du promoteur et moins de 24 heures à Tallinn pour signer et devenir propriétaire du bien, avec un passage éclair chez le notaire et des frais de notaire qui se sont élevés, je me souviens de la note, à 255 euros. Juste incroyable, donc rapide, efficace, pas cher, enfin un truc de fou quoi. Donc on n'est tellement pas habitué ça en France et je conseille à tout le monde de faire cette expérience-là parce que c'est super, super excitant quelque part et puis fou de se dire j'arrive, je prends l'avion, je signe, je deviens propriétaire et je repars et je rentre à la maison le soir même. Merci Romain pour cette petite expérience assez originale. Ouais, c'est un plaisir partagé. Et si justement quelqu'un vous appelait, vous dirait, si quelqu'un vous disait, Denis, est-ce que je devrais faire un Life Invest? Est-ce que vous lui répondriez? Alors, ça serait tentant de dire oui, bien sûr. Après, ça dépend un petit peu du profil d'investisseur. Là, on est sur des revenus qui sont des rentabilités qui sont intéressantes.
Il faut savoir que les banques ne prêtent pas pour des investissements à l'étranger. Ils n'ont juste pas le droit. Donc ça s'adresse à des gens qui ont la chance d'avoir gagné un peu d'argent dans leur vie. Et moi, j'arrive à un moment de ma vie où j'ai beaucoup travaillé. Donc voilà, je peux me permettre ce plaisir-là et j'ai envie de dire ce luxe-là. C'est une chance inouïe. Voilà, donc c'est pas destiné aux gens qui veulent investir dans l'immobilier en se faisant financer 100%. Donc on est plutôt sur des profils qui, je pense, qui me ressemblent, c'est-à-dire des gens qui ont une activité qui leur apporte un peu de liquidité, qu'ils peuvent investir en toute tranquillité, qui leur apporte bien plus qu'un compte en banque ou autant que de la bourse, mais en moins risqué, avec cette idée que on sait tous que la bourse présente des risques qui sont pas neutres. Voilà, là on est vraiment sur la rentabilité tranquille, on va dire. Excellent. Et pour finir, qu'est-ce que vous jugeriez important de mentionner ? J'ai réfléchi, la question n'est pas simple. Quelque chose à ajouter, peut-être pour quelqu'un qui regarde la vidéo et qui se demanderait, je ne sais pas. Alors en fait, c'est vrai que moi, en toute transparence, c'est mon premier investissement immobilier, en dehors de ma résidence principale. J'ai fait d'autres choses dans ma vie, mais pas ça. Donc c'est vrai qu'il y a un côté je me jette à l'eau, et on peut imaginer que dès que c'est pas encadré par un notaire français ou la loi française, on est à risque. En fait, pas du tout. Ici, c'est comme ailleurs et c'est même plus cool qu'ailleurs. Tout se fait en ligne, tout est rapide. Comme je le dis tout à l'heure, les frais de notaire sont pas chers, les gens sont très pros, vous avez des garanties, le contrat est traduit en français, en anglais, il vous est lu, les signatures se font devant notaire. En présence du promoteur et de Romain Armato, donc ici présent. Donc c'est quand même quelque chose qui est très sécurisant, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Et puis il y a une convention de non-imposition, pour être sûr qu'il n'y ait pas double imposition entre la France et l'Estonie. Life Invest fournit des documents qui nous expliquent comment remplir la déclaration pour ne pas être imposé deux fois. L'avenir de l'Estonie et des pays nordiques en général est très 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 porteur. Donc c'est vraiment, moi je retiendrai l'idée d'expérience de vie. C'est-à-dire que c'est pas juste j'achète un bien, c'est j'achète un bien et je me projette dans un pays que je connais pas, qui parle pas ma langue, qui est un pays où il fait nuit 6 mois de l'année, où il fait jour 3 mois de l'année, un pays vraiment du nord. Donc avec une autre culture, donc c'est super fascinant de se dire que je participe un petit peu à l'évolution de ce pays-là et l'ambition de, si ça fonctionne, de peut-être acheter un deuxième bien plus tard si je vois que tout se passe comme prévu, ce dont je ne doute absolument pas. On répondra présent en tout cas. Bravo pour ce premier investissement et à la suite. Alors, si tu me permets d'ajouter, pour tous les gens qui regardent, évidemment, moi je suis absolument pas payé par la Fininvest. Ça a été un travail de confiance que j'ai établi avec Romain. Ça a été un travail de plusieurs mois et ce que je dis là, je le pense vraiment. C'est pas du tout pas écrit à l'avance. Donc c'est quelque chose qui est très sincère et voilà, si vous pouvez, si vous n'hésitez pas d'ailleurs, Romain peut vous mettre en contact et on refera peut-être d'ailleurs Romain une vidéo plus tard pour remontrer le projet dans 6 mois ou dans 1 an, puisque je vais revenir, je pense, 2 fois par an à Tallinn. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de vous dire, c'est un témoignage qui a toutes les caractéristiques de l'authenticité et voilà, je vous invite, si vous avez des envies d'investir à l'étranger, de vous rapprocher de Life Invest. Merci pour ce feedback et cette authenticité. Encore une fois, c'est un plaisir de travailler ensemble. Merci beaucoup. Super, merci.